pas. Nous n'arrivons à l'école et pas. Comment tout un miracle tout est. You are the God that does all good things at this time. L'heure est venue, mon Dieu, mon roi, de glorifier ton saint nom dans la vie de ce peuple. The hour has come, my Father and my Lord, to glorify your name in the life of these people. Amen. Je te dis merci. I give thanks to you. Église, je voudrais vous dire merci. Church, I want to say thank you to you. De m'avoir accepté et adopté parmi vous. For having accepted and adopted me as your person. Je
Je ferai tout ce qui est possible. I will do all that is my possibility. D'autant que tu veux mériter cette confiance. So that I will keep on deserving that confidence that you have in me. Je voudrais vous merci. I want to say thank you. Au couple apostolique. To the apostolic couple. Pour vous êtes marque de confiance. For this mark of confidence. À eux également. To them also. Je voudrais dire. I would like to say. Je ferai tout ce qui est possible. I will do all that is my strength. Pour continuer de mériter cette confiance. To keep deserving that confidence. Quelle grâce! What a grace! Père, au nom de Jésus. Mère de nous, Papa, nous voulons libérer ta parole. The ask of when you want to release your word. Nous voulons que tu prennes contrôle de toutes choses. You want to take absolute control of everything. Que tu prennes possession de toutes choses. You should take possession of everything. Que seule ta volonté soit manifeste maintenant au nom de Jésus. Your will be manifested right now in Jesus' name. Nous prenons autorité sur les esprits négatifs. We are taking authority over negative spirits. Nous les enchaînons. We bind them. Nous les lions. We chain them. Et nous les envoyons dans les abîmes sans fin au nom de Jésus. We send them into abyss without end. Nous déclarons ce moment que seul le Seigneur de Jésus-Christ règne. We declare in this time that only the Lord Jesus shall be worthy. Pasteur, on demande, je voudrais te dire merci. Pasteur, on demande à la tu sais, thank you. Parce que par toi, sa présence s'est établie ce matin. Because by you, his presence established this morning. Et nous allons nous mouvoir dans cette présence. And we are going to move in this presence. En toi qui es dans la salle ce matin. To you who is in the hall this morning. Je voudrais te dire que tout est arrivé dans ce programme. I want to invite you to this program. Je t'invite à être connecté. I invite you to be connected. Je t'invite à être concentré. I invite you to be concentrated. Parce qu'il est présent. Because he is present. Parce qu'il est présent. Because he is present. Ce matin. This morning. Il va faire passer quelqu'un de l'échec à la percée. He's going to take somebody from trauma to pain, trauma to breakthrough. Il va faire passer une femme de l'échec à la percée. He's going to take a woman from trauma to breakthrough. Il va faire passer l'échec de quelqu'un à une percée. He's going to transfer somebody to a tremendous breakthrough. Je connais une femme dans la Bible. Another woman in the Bible. Son nom est resté inconnu jusqu'à ce jour. Her name shall be, will still be known till today. Mais elle vivait sous un échec. She was living under failure. Lorsqu'elle a entendu que le maître, when she heard that the master, avait passé, was to pass, dans sa ville, in her town, elle s'est dit en elle-même, she told herself, il est temps que je me décharge de cet échec. It is high time for me to get rid of this failure. Elle avait une attente aussi grande. She had a very big expectation. Et lorsque le maître passa, in such a way that when the master was passing, elle a bouleversé le programme du maître. She overwhelmed the program of the master. Elle a brisé le protocole de Jésus. She broke Jesus' protocol. Jésus s'est arrêté. And Jesus stood still. Et cette femme, and that woman, depuis cet instant, from that moment, elle a marqué à jamais son histoire. She marked her story and her time. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Till today, on parlera de cette femme. They will still talk about that. Parce qu'elle avait une attente. Because she had an expectation. Ton attente ce matin, bien-aimé. Your expectation this morning, brother. Déterminera ce que tu as. Shall determine what you take back home today. Amen. Que ton attente soit grande. May your expectation be big. Je prie que ton attente soit grande. I pray may your expectation be big. Que ton attente soit grande. May your expectation be big. Je prie que ta foi soit active. May your faith be activated this morning. Car sa présence nous inonde. For his presence is flooding us. Comme le refuge, je le disais dernièrement. Sa présence nous couvre. His presence covers us. Je prie que toute l'église, I pray that all the church, active sa foi, activate his faith, et rentre dans ce refuge, and rentre dans cette présence, into that refuge, into that presence.
afin que le Saint-Esprit so that the Holy Spirit commence à télécharger will start downloading les programmes programs qui viennent avec ta vie. That is going matching with your life. As a man, we can do it. As a man, we can do it. But it is the Holy Spirit. By whom we can do it. And it is the one who is going to download in your life this morning.
toujours justice. Du premier verset au verset 10, nous restons debout pour honorer la parole du Seigneur. Judges chapter 6. Judges chapter 6. Du premier verset au verset 10. From verse 1 to verse 10. S'il vous plaît, tout le monde debout, même les enfants. Let us stand up, even babies and children. Nous voulons honorer la parole du Seigneur. We want to honor the word of Lord of the God. Juges 6. Nous voyons encore des gens assis. I still see people seated. Bien-aimé, c'est cet homme, l'homme de Galilée. Beloved, it is about that man of Galilee. Sa parole. It is by his word. Simplement par sa parole. Transforme ta vie, quelque chose par l'homme de l'ennemi. Alors, si nous sommes dans sa présence, so if you are in his presence, nous sommes debout. We are standing up. Pour honorer sa parole. To honor his word. Juges 6, du verset 1 au verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. We give thanks to God. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils avaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la maison de tous ceux qui vous oppressaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Amen. Déposons nos Bibles, s'il vous plaît. Let's keep our Bible, please. Mais vous n'avez point écouté ma voix. But you didn't listen to my voice. Je voudrais que tu prennes tes deux mains, tu mettes dans tes oreilles, sur tes oreilles. I want you to take your two hands and lay on your ears. Et tu fais cette déclaration. And to make this declaration. Pour tout ce qui m'empêche d'écouter la voix de mon Père Jésus, to listen to the voice of my Father Jesus, soit ôté ce matin au nom de Jésus. Be destroyed this morning in Jesus' name. Pour tout ce qui m'empêche let anything that hinders me d'écouter la voix de mon Père Jésus from listening the voice of my God Jesus soit ôté ce matin. Be broken and destroyed this morning au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Bien-aimés, brethren, avec notre maman, nous avons commencé depuis lundi. With our mother, we started une série sur l'emprisonnement des échecs. A series of teaching on failures. Et nous allons devoir clôturer cela aujourd'hui. We have to round up today. Bien-aimés, dans ce passage, brethren, in this passage, la Bible nous dit, the Bible tells us, que Israël, that Israel, avait semé sur pendant 7 ans. For 7 years. À chaque fois où il devait récolter, and each time he was supposed to harvest,
Il faisait face à la main de Madian. Israel was facing Midian. Il faisait face aux Amalécites. They were facing Amalekites. Mais pourquoi? But why? C'est la question à laquelle nous allons répondre ce matin. That's the question we are going to answer this morning. Et la réponse à cette question. And the answer of this question. Nous sortira de l'échec. Will take us out of failure. Et nous fera rentrer dans notre percée. And will make us to enter into our destiny. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Israël a semé pendant 7 ans. Israel sowed for 7 years. Ce n'est pas 7 mois, bien-aimé. It was not 7 months, brother. Ce n'est pas 7 semaines. It wasn't 7 weeks. Ce n'est pas 7 jours. It wasn't 7 days. Mais c'est 7 ans. But yes. Il a semé pendant 7 ans. He sowed for 7 years. Et à chaque fois. And each time. Où il fallait qu'il récolte. He was supposed to harvest. Il faisait face. He was facing. Aux Madianites. Madianites. Bien-aimés, nous sommes plusieurs dans l'église. Beloved, are we in church? Nous semons. We are sowing. Par notre service. By our service. Nous semons. We are sowing. Par nos offrandes. By our offerings to the Lord. Nous semons. We are sowing. Par nos sacrifices. By our sacrifices. Nous semons. We are sowing. Avec nos dîmes. With our tithes. Mais pourquoi nous ne récoltons pas? But why is it that we don't harvest? Au moment où nous voulons récolter. At the moment we want to reap. C'est l'échec qui se présente. It is failure that presents itself. C'est la pauvreté qui se présente. It is poverty that presents itself. C'est le manquement qui se présente. It is lack that comes. Pourquoi? Why? La Bible nous dit. The Bible tells us. Que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. That the children of Israel did evil to the Lord. Bien-aimés, pendant que nous semons. Brethren, while we are sowing. Quel est ce péché que nous faisons? Which is that sin that we are continuing doing? Qui nous empêche de récolter? That hinder us from harvesting. Israël a semé pendant 7 ans. Israel sowed for 7 years. Mais le péché. But the sin. L'a amené à vivre. Brought him to experience. L'adversité de Madianite. The opposition of Madianite. Bien-aimé, quand tu sèmes dans la maison de l'Éternel. Beloved, when you sow in the house of God. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? What are you doing in the secret? Est-ce que tu es dans la murmure? Are you in murmurings? Est-ce que tu es dans la désobéissance? Are you living in disobedience? Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir? What is blocking you from receiving? Lorsque tu sèmes. When you sow. Dans ton lieu de service. In your job side. Tu travailles comme un éléphant. You are walking like an elephant. Mais tu ne récoltes que comme une fourmi. You harvest like a, like pourquoi a... cela, bien-aimé? Why, brethren? Pensez-y. Think about it. Amen. Dans ton lieu de service, tu es le plus ancien à ton poste. You are the older in your job site. De nouveaux viennent. Newcomers are coming. C'est toi qui les formes. You are the one who trains. Ils sont promus. They are promoted. Mais toi tu es au même poste. But you are the you are the same spot. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? What is happening, brethren? Comment est-ce que tu sers dans ton lieu de travail? How are you serving in your job site? Quelle est l'attitude que tu montres dans ce lieu? What is the attitude that you manifest in that place? Quels sont tes comportements, bien-aimé? How do you behave there? Le péché. Le sin. Le péché. Le sin. Le péché, c'est un tueur de destinée, bien-aimé. The sin is a destiny killer, brethren. Quand le péché abonde dans la vie d'un homme. When the sin overflow in somebody's life. S'installe l'échec. Failure comes. Et ce matin, bien-aimé. And this morning, beloved. Dieu m'envoie te dire. God has sent me to tell you. Tu te sors de l'état de ces choses au nom de Jésus-Christ. That you are coming out from those things in Jesus' name. Tu te sors de l'état de ces choses au nom de Jésus-Christ. He is bringing you out of those things in Jesus' name.
Nous allons lire dans le livre de Jacques 5 au verset 15. We are going to read the book of James chapter 5 verse 15. Si le lecteur n'a pas, je peux lire. If the reader is there, can you read? Jacques 5, verset 15. James 5, verse 15. Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous aimons l'éternel Dieu. Brethren, the Lord God. Il te dit ce matin. He's telling you this morning. Qu'il te pardonne. That is forgiving you. Qu'il pardonne ce péché que tu faisais dans le secret. He is forgiving that your sin you were doing. Qu'il t'empêchait de recevoir pendant longtemps. That hinders you from receiving from a long time. De cet homme avec ses deux fils. In the Bible, we know the story of that man with his two sons. Où un avait demandé à son père. Where one asked his father. De partager l'héritage. To share the heritage. Après que l'héritage a été partagé. After the legacy was shared. Cet enfant. That child. S'en allant dans la ville. Went away in the city. Et dilapida tout son héritage. And squandered everything that he got. Après que son héritage fut dilapidé, se retrouvant les mains vides, he found himself empty-handed. Il se dit à lui-même, and he told himself, tu iras chez son père. That he shall go back to his father. Mais seulement il est rentré, but he went back. Il s'est arrêté, he stopped. Chez un monsieur pour travailler dans sa porcherie. To a man to work in his pottery. Et pendant qu'il travaillait, while he was working. Il s'est dit, he told himself, pourquoi ne pas aller à mon père directement? Why not going straight to my father? Et lorsque cet enfant est allé chez son père, and when that boy went to his father, son père a organisé tout un festin pour lui. His father organized a big feast for him. C'est pareil à cette parole qui vient de sortir dans le livre de Jacques. It's the same thing with the word that we read in the book of James. Lorsque tu avoues ton péché, when you confess your sin, Dieu te reçoit. God receives you. Et au ciel un festin est organisé. And in heaven there is a feast. Et ma prière ce matin, bien-aimé, and my prayer for you this morning. Est-ce vrai que tu as délaissé ce péché qui t'empêche de recevoir sa grâce? To leave that sin that hinders you to receive. Un festin organisé pour toi au nom de Jésus. A feast is being organized on your behalf. Je veux un homme rentrer dans son festin au nom de Jésus. I'm seeing a man enter into his feast. Je veux une femme rentrer dans son festin au nom de Jésus. I'm seeing a woman enter into celebration in the name of Jesus. Amen. Amen. Où est le frère Frank? Where is brother Frank? Changeons nos mentalités, bien-aimés. Let's change our mentalities, brethren. Changeons nos mentalités, bien-aimés. Let's change our mentalities. Changeons notre façon de faire, bien-aimés. Let's change our way of doing things. L'échec ne doit pas être notre identité. Failure must not be our identity. L'échec ne doit pas être notre identité. Failure must not be our identity. Amen. Amen. Frère Franck. Brother Franck. Dieu m'a dit de te dire ce matin. The Lord is asking me to tell you this morning de te préparer, that you should get ready, parce que l'heure de ta consécration a sonné. Because the hour of your consecration has come. L'heure de ta consécration a sonné. The hour of your consecration has come. Prépare-toi. Get ready. Je ne sais pas comment. I don't know. Mais je te dis une seule chose. But it's asking me to tell you. L'heure de ta consécration a sonné. That the time of your consecration has come. La tempête a soufflé. The storm went on. Mais tu t'es trouvé fidèle et solide. But you remained firm and faithful.
C'est pourquoi il dit ce matin. That is why he's saying this morning. Que l'heure de ta consécration a sonné. That the time of your consecration has come. Amen. Amen. Bien-aimé, vous savez, le service dans le ministère est très difficile. You know, service in the ministry is very difficult. La fidélité surtout. Faithful, especially. Faithfulness, sorry. Être fidèle. Being faithful. C'est dur. It is hard. Mais disons-nous toujours une chose. But let's always tell something to ourselves. Par conscience. Out of consciousness. Avec notre Dieu. With our God. Nous allons endurer. We are going to endure. Nous allons persévérer. We are going to persevere. Quelle que soit la bataille. No matter the battles. Nous allons rester la tête haute. We shall stay fast. Et Dieu me dit ce matin de dire à mon frère. And the Lord is telling me this morning to tell my brother. Que le vent qui a soufflé. That the wind that blew. Était pour l'éprouver. Yes, too. Mais il était pour être juste. But he has il been était pour être fort. He has been fresh. Et l'heure de sa consécration a sonné. The hour of his consecration has come. Tu n'es pas content? Are you not happy? Quels sont ceux qui étaient là hier? Who are those who were here yesterday? Quels sont ceux qui étaient là hier? Who were those who were here yesterday? Vous avez vu comment le serviteur a rendu ministère? You saw how the servant of God ministered. Ce n'est que la confirmation de ce qui a commencé hier. It is just the confirmation of what started yesterday. Papa, très prochainement, l'une va tomber sur ta tête. Very soon, all is going to fall in your head. Amen. 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 Parce que la source qui nous a bénis, because the source that blessed us, on ne la maudit jamais. Never curse it. Les pères, fathers, qui nous ont engendrés, who gave birth to us, on ne les maudit jamais. Fathers that begotten us, you never curse them. Amen. Amen. Le péché, bien-aimé, the sins, beloved, a fait à ce que Israël a semé 7 ans sans récolter. Made Israel to sow 7 times without reaping, without harvesting. Le péché ici, c'est quoi, bien-aimé? What is sin here, brethren? Le manque d'obéissance. Lack of obedience. L'Éternel Dieu nous a donné ses commandements. The Lord God has given us this. Il nous a donné ses préceptes. He gave us his principles. Il nous a donné ses lois. He gave us his law. Qu'est-ce que nous en faisons? What are we doing about it? Nous ne les respectons pas. We don't respect them. Et aussi vrai que nous ne respectons pas ces choses, ces lois. In as much that we don't respect those things. Ça veut dire. It means that. Qu'on refuse de donner à Dieu les clés de notre vie. We are refusing to give God the keys of our life. Bien aimé, je veux t'inviter ce matin. Brethren, I want to invite you this morning. À donner les clés de ta vie à Jésus. To hand over the keys of your life to Jesus. Afin qu'il change. So that he can change. Afin qu'il transforme. So that he can transform. C'est que le monde a déformé dans ta vie. What the world has destroyed in your life. Et comment tu vas le faire? And how are you going to do that? C'est en obéissant ses commandements. By obeying to his commandments. C'est en obéissant ses préceptes. By obeying to his principles. C'est en obéissant ses lois. By obeying to his laws. Amen. 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 Pendant 7 ans, il a semé. For 7 years, Israel sowed. Il n'a rien obtenu. And he didn't harvest anything. Pourquoi? Why? Parce qu'il était dans le péché. Because he was living in sin. Plusieurs nous sommes à l'église. Many of us are here in your church. Nous utilisons des adorateurs. We are calling ourselves worshippers. Worshippers, true worshippers. C'est là que le Père recherche. Those that the Father is looking for. Mais après avoir fait ce cinéma. But after you have made that play, that. Qu'est-ce que nous faisons dans le secret? What are we doing in the secret? Qu'est-ce que nous faisons dans le secret? What are we doing in the secret? Dieu nous a rejeté. God has rejected us. Dieu te tourne le dos. God has turned his back to you. C'est pourquoi tu sèmes. That is why you are sowing. Tu sèmes. You are sowing. Tu pries. You are praying. Tu pries, tu jeûnes. You are praying and fasting. Mais tu ne vois rien. But you don't see anything happening. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie. It is because there is something in your life. Tu n'es pas en accord avec la volonté du Père. Which is not in agreement with the will of the Father. Et ce matin, l'Éternel va nous demander. On this morning, the Lord is going to ask us. Comme la Bible nous dira dans le livre Proverbe 28 verset 13. As the Bible is saying in the book of Proverbs chapter 28 verse 13. D'abandonner nos mauvaises voies. To abandon our wrong ways. Est-ce qu'on peut lire? Can we read, please?
Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. He got mercy. Bien-aimé, ce message. Beloved, this message. Pendant que tu le reçois, as you are receiving him, fais une rétrospection dans ta pensée. Make a flashback in your mind. Afin de voir. So that you may see. Quel est le côté de ta vie qui n'est pas lié à la volonté du Père? What is the part, side or the domain of your life in agreement with the will of the Father? Quel est ce point de ta vie? Which is that domain of your life or the part of your life? Dans lequel tu continues de vivre cette faiblesse. In which you experience that weakness. Tout t'empêche d'expérimenter sa gloire. That hinders you to experience his glory. Il est vrai qu'on nous a dit. It is true God told us. Ce que je ne veux pas faire. What I told, Paul told us that what I'm going on to do. C'est ce que je me retrouve en train de faire. That's what I find myself doing. Mais nous ne sommes plus à cette époque de Paul, bien-aimé. We are no more on the inequality. Nous avons le Saint-Esprit. We have the Holy Spirit. Par qui nous poussons tout. By whom we can do everything. Nous pouvons simplement l'invoquer. You can just call upon him et nous aligner à ses préceptes and queue up all his principles afin que nous vivions la gloire à laquelle il nous appelle. We may live the glory to whom he has called us. Amen. 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 Bien-aimé, beloved, le deuxième point que nous allons mentionner ici, the second point we are going to deal here, qui a empêché Israël, that blocked Israel, à récolter, from harvesting. C'est l'esprit de peur. It's the spirit of fear. Tu sèmes mais tu as peur. You sow but you are afraid. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi, bien-aimé? Why don't you have confidence in on yourself? Pourquoi tu peur? Why are you afraid of? Alors que tu as Jésus. Since you have Jesus. Alors que tu as le maître. Of which you have the master. Alors que tu as le puissant de Jacob. Of which you are the powerful one of Jacob. Et l'assurance en toi, bien-aimé. Trust yourself, brethren. Crois en ton potentiel. Believe in your potential. La Bible nous dit dans le livre, dans le même texte, Juges 6, in the same text, Judges chapter 6, verset 11, verse 11. La Bible nous parle du Gédéon. The Bible talk about Gideon. Gédéon, lorsque l'ange est venu me parler, when the angel came and spoke to Gideon, non seulement il n'a même pas reconnu, il avait peur. Not only didn't acknowledge or recognize the angel, he was afraid. Juges 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Amen. 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 Voici l'histoire de Gédéon, bien-aimé. This is the story of Gideon, brethren. Qui non seulement avait peur. Who not only was afraid. Mais il voyait sa vie comme un échec. But he was seeing his life as a failure. Il voyait sa famille comme un échec. He saw his family as a failure. Bien-aimé, tu peux s'aimer. Beloved, you can sow. Mais quand tu vois ta vie, quand tu vois l'échec comme une évidence dans ta vie, when you see failure as an evidence in your life, tu ne peux jamais récolter. You can never harvest. Gédéon a vu sa famille. Gideon saw his family. Comme étant la plus petite. As the least. De Manassé. Of Manasseh. Bien-aimé. Beloved. Qui t'a dit que ton succès dépend de ta famille? Who told you that your success depends on your family? Qui t'a dit que ta réussite dépend de ta famille? Who told you that your success depends on your people? Ta réussite et ton succès dépend de Dieu, bien-aimé. Your success depends on God, brethren. Amen. Amen. Yes.
Gédéon s'est vu comme le plus petit de sa famille. Saw himself as the least of his family. Avec cette attitude, with such an attitude, tu ne peux pas émerger. You can't emerge. Tu ne peux pas prospérer. You can't prosper. Comment te vois-tu, bien-aimé? How do you see yourself, beloved? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi, bien-aimé? Why don't you trust Pourquoi yourself? Te sous-estimes-tu? Why do you belittle yourself? Dernièrement, notre maman disait. Recently, our mother was saying, a while ago, Dieu avait demandé à Abraham, qu'est-ce que tu vois? That God asked Abraham, what do you see? Et il a dit, il voyait les étoiles. And he answered that he saw, he seeing stars. Et Dieu lui a dit aussi, and God told him, as numerous are the stars, so as your prosperity shall be. Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? What are you seeing, beloved? Aussi longtemps que tu verras petit, comme Gédéon l'avait déclaré, inasmuch you will keep on seeing small, as Gideon declared it, tu resteras dans une vie d'échec. You will remain in the life of failure. Ma prière pour toi ce matin, but my prayer for you this morning, elle veut te dire, is to tell you, vois grand, see great, vois grand, see big, pense grand, think big. Tel tu penses, as you think. Tel tu es, so you are. Tel tes pensées sont, as your thoughts are. Tel tu es, so you are. Pour ceux qui sont passés par la case de terminal, for those that are already in terminal, René Descartes nous l'a bien dit. René Descartes, philosopher, said, je pense donc je suis. I think so I am. Qu'est-ce que tu penses, bien-aimé? What are you thinking about, beloved? Pendant que tu sèmes, tu penses à quoi? As you are sowing, what are you thinking about? Pendant que tu sèmes de l'argent, tu penses à récolter quoi, bien-aimé? As you are sowing your money, what do you think you can harvest, brethren? Quelles sont tes attentes? What are your expectations? Pense au grand. Think big. Pense au grand. Think big. Pense au grand. Think big. Bien-aimé, la Bible, brethren, the Bible, nous parle encore d'un homme. Talks about a man once more. L'homme de la piscine de Bethesda. The man of the swimming pool of Bethesda. Celui-là qui avait dit au maître. He that told the master. Père, je n'ai personne pour me pousser. Father, I have nobody to push me in the water. Mais. But, la grâce de Dieu, the grace of God, avait été sur lui ce jour, was upon him that day, et il s'est levé de son échec, and he rose up from his failure. Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'encourager. Beloved, this morning I would like to encourage you. Attends que ta bénédiction vienne d'un homme. Don't wait that the blessing shall come. Attends que ta bénédiction vienne de Dieu. Expect your blessing from God, not from me. Donc arrête de condamner les gens. I stop condemning people. Parce que cet homme de Bethesda, with this that man of Bethesda. Avait condamné le monde. Condemn the world. Mais c'est par rapport au monde. Did he say that it is because of the world? Il était à cette place. That he was seated at the pool. C'est pas le monde qui décide de ta vie. It is not the world that decides on your life. C'est pas le monde qui décide de ta future. It is not the world that decides your future. C'est pas le monde qui décide de là où tu dois aller. It is not the world that decides where you are going. Dieu te connaît ta destinée. It is God who knows your destiny. So consult your God. And confirm yourself to God. Dans ton parcours, bien-aimé, in your way, beloved, l'échec peut être appelé comme une station d'arrêt. Failure must be like a stop. Mais l'échec ne doit pas être ta destination. It must not be your destination. L'échec ne doit pas être ta destination. It must not be your destination. Bien aimé, je vais vous prendre un exemple. Beloved, I want to take you an example. Qui m'a poussé à ne plus maudire les gens. That pushed me not to cast evil at people. À ne plus penser mal des gens. That made me not to think evil about people. À savoir que seul Jésus-Christ a le contrôle de ma vie. And to know that only Jesus has the control of my life.
Lorsque je devais épouser mon épouse, when I was supposed to get married with my wife, je me suis préparé. I got prepared. J'ai pris la note, la liste de la dot. I took the list of the diary. J'ai informé ma famille. I informed my family. Et connaissant déjà les réponses. And knowing their answer in advance. Parce que très souvent, les réponses. Because elles viennent nous décourager au lieu de nous encourager. There are some answers that come to discourage us instead of encouraging us. Je me suis arrangé. I made all arrangements. À avoir au moins 95% de ce qu'il fallait pour la dot. To have at least 85% of what needed. Je dis à ma famille. For the bride price, I told my family. Que je vais doter mon épouse. That I am going to dowry my wife. Celui qui pense qu'il peut contribuer, qu'il contribue. He who thinks that he can contribute, let him contribute. Celui qui ne peut pas contribuer, Dieu s'en charge. And the person who does not want to contribute, God will take care. C'est comme ça que je vais doter mon épouse. That's how I wed and I dowry my wife. Je le dote un certain 7 mai. It was a 7 May. De l'année 2007. Of 2017. 2007. Bien-aimé, beloved, le 22 mai de la même année, the 22nd May of the same year, mon employeur, my employer, me donne la lettre, gave me de remerciement, a resigning letter, et un peu de pensée, bien-aimé, and I spent all, beloved, je me suis dit, I told myself, c'est pas mon employeur qui a le dernier mot sur ma vie. It is not my employer who has the last word. Je vais me lever et je vais foncer. I will rise up and I will pursue my way. Et le montant d'argent qu'il m'avait donné, bien-aimé, and the amount of money he gave me, brethren, c'était bon 100,000 francs. Was 200,000. J'ai pris cet argent, j'étais à Douala avec mon épouse. I took that money, I was in Douala with my wife. Je suis allé faire une certification qu'on appelle le CCNA pour les ingénieurs qui sont dans la salle. I went to make a certificate or a certification called CCNA for the engineers. J'ai passé à cette certification. And I passed that certificate. J'ai déposé mes papiers d'emploi dans deux entreprises. I applied parce que j'avais ciblé. I applied in two companies because I targeted them. Bien-aimé, vous savez pourquoi je m'étais révolté? Beloved, you know why I was hungry? C'est parce que mon employeur était exactement un membre de ma famille. My employer was a member of my family. Il savait ce que je venais de traverser. So he knew what I just went through. Mais il a décidé d'appuyer sur la gâchette. But he decided to il a décidé de pousser à fond. He decided to trigger the mais moi j'ai dit, but I said, je ne le redirai pas. I will not curse him. Parce que ma vie n'est pas entre ses mains. Because my life is not in his hands. C'est pourquoi je vais t'inviter à ce moment, bien-aimé. That is why I want to invite you. Arrête de me dire les hommes. Stop cursing me. Sur ta situation. About your situation. Confie-toi à Dieu. Confine yourself to God. Lève-toi et avance. Rise up and move. Lève-toi et marche. Rise up and move. Lève-toi et tire. Rise up and run. Lève-toi. Rise up and confie-toi. And fly to your purpose. Bien-aimé par la grâce de Dieu, beloved, by the grace of God, parce que étant toujours dans sa présence, because still being in his presence, j'ai été appelé. I was called. 3 months. 3 months later. Mais pendant ce temps, bien-aimé, but during that time, il fallait que mon épouse et moi nous mangeons. My wife and I needed to eat. Je bénis ses serviteurs parce que ce matin tout à l'heure, I bless that servant because of my prayer sur la paresse. We did a prayer on laziness. Si je restais à la maison, personne n'allait manger. If I stayed in the house, what could have eaten? J'ai décidé de me séparer de la paresse. I decided to get rid of it. J'ai décidé de me séparer de la paresse. I decided to abandon it. Je suis également décidé de me séparer de la paresse. I see you deciding in your heart to get rid of laziness. Je t'ai appelé par la première entreprise. I've been called by the first enterprise. Je ne vais pas faire la publicité parce que ce sont des entreprises qui font dans les télécoms. I don't want to call the name. Those are telecommunication companies. Parce que moi également, je suis un ingénieur des réseaux et télécommunications. I am an engineer on network and telecommunication. Donc je t'ai appelé par la première entreprise. I was called by the first company.
Nous avons fait les tests jusqu'à la fin. We went until the test at the end. Même nous ne nous étions pas accordés sur le montant d'argent. But we did not agree about the salary. Mais je bénis Dieu parce que. But I bless God because. Deux jours avant, le dernier jour avec la première entreprise. Two days before I went to the second company. Deux jours avant que je ne finisse l'entretien avec la première entreprise. Two days before I finished my interview with the second company. La deuxième entreprise m'a appelé. This, two days before I finished my interview with the first company. The second company called me. Mais à vous dire vrai, bien-aimé. But to tell the truth. C'est sur cette deuxième entreprise que mes yeux étaient fixés. My eyes were laid on that first, that second Qu'est-ce enterprise. Que tu vois? What are you seeing? Quelles sont tes attentes? What are your expectations? Aussi loin que tu vois. As far as you can see, aussi grand ta bénédiction est, as big as your blessing is. La première entreprise, the first company, décide de me donner le double du salaire que j'avais. Decided to give me the double wage of what I had. Dans la première entreprise, in the first company where I was, je leur ai dit, I told them, je ne peux travailler que si c'est le plus du double. I can only work if it is more than the double. Yes. Je m'étais fixé ceci pourquoi parce que. I fixed myself those principles. Why? Because. Précédemment, j'ai un collègue avec qui je travaillais. Formerly, I had a colleague with whom I was working. Qui est allé dans la deuxième entreprise. Who went to the second company. Et il m'a dit comment le traitement est là-bas. And he told me how they treat. Et tu vois mes attentes sont allées là-bas. I suddenly my expectations went there. Tout à l'heure, la sœur priait avec qui tu marches. While you go, the sister was praying with whom are you walking. Compagnies. What are your companions? Quels sont tes compagnons? What are your friends? Who are you? De tout ce qui ne t'est pas utile. Separate yourself from everything that disturbs you. Amen. Je leur ai dit, si ce n'est pas plus du double que j'avais, je ne peux pas travailler. Je leur ai dit, monsieur Noun, nous allons vous appeler. Je suis parti. Je continue l'interview avec la deuxième entreprise. Tout a bien marché et tout était très bien. And everything went et à la fin, ils m'ont dit, c'est eux-mêmes qui m'ont dit, qu'à ce poste, nous donnons le triple. That in this post, we are giving the triple. C'est comme ça que that is how je bénis Dieu. I bless God. Et quand je retourne dans la famille, and when I went back in my family, ce frère, it was that brother, ce membre de la famille, that brother, qui a commencé à m'utiliser comme un exemple pour évangéliser la famille. Who started using me as an example to evangelize the family. Arrêtons de maudire les gens sur nos pas. Let us stop cursing people on our cases. Arrêtons de maudire les gens sur nos pas. Let's stop cursing people on our situations. Prenons nos pas en main. Take our situation into our hands. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. And with God, we shall make exploits. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. And with God, we shall do exploits. Et il se chargera de nos ennemis. And he will take care of our enemies. Parce que ce frère, because that brother, qui était mon ennemi volé, who was my veiled enemy, il a commencé à m'acclamer. My hidden enemy started clapping me. Renouvelons notre pensée. Let us renew our mind. Renouvelons notre pensée. Let's renew our mind. Renouvelons notre esprit. Let's renew our spirit. Renouvelons nos bien-aimés. Let's renew ourselves, brethren. Renouvelons nos bien-aimés. Renew ourselves. Amen. 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 Bien-aimés. Beloved. Plusieurs entre nous, nous avons su les échecs. Many of us went through failures. Mais Dieu vient nous dire ce matin. But God is coming to tell us this morning. Qu'il est celui-là. That he is the one. À qui il faut se confier. To whom we must trust. Afin qu'il change nos échecs. So that he can change our failures. En percée. To break through. En percée. To break through. Amen. 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 Bien-aimés. Beloved. La Bible nous parle. The Bible speaks about. De Marthe. Martha. Marthe était celle-là qui était aimée de Jésus.
Martha was a beloved of Jesus. Avec sa sœur Marie. And her sister Mary. Et son frère Lazare. And their brother Lazarus. Mais Marie, Marthe, dans le monde, but Martha avait pris le cas de la maladie de son frère. Took the case of the sickness of his brother. Comme une évidence. Like an evidence. Bien que l'on voulait le maître. So, although she saw the master. Le maître lui a dit. The master told her. Cette maladie n'est pas pour la mort. That sickness is not for death. Elle est pour la gloire de Dieu. It is for the glory of God. Elle est restée dans sa pensée négative. She remained focused on her negative thought. Elle en a fait son identité. She made it her identity. Elle en a fait son identité. She made it her identity. Au point où son frère est mort. To the extent that her brother died. Bien aimé, nous allons lire dans le livre de Jean 11. Beloved, you're going to read the book of John chapter 11. À partir du verset 38 à 43. From verse 38 to 43. Jean 11, verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. We give thanks to God. Verset 38. Verset 38. À 43. À 43. Jésus frémissant de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, that if you believe, tu verras la gloire de Dieu. We see the glory of God. Marthe n'avait pas cru. Martha didn't believe. Elle n'avait pas cru au maître. She didn't believe to the master. Lorsque Jésus lui parlait au verset 4, when Jesus was talking to her in verse 4, elle n'avait pas cru. She didn't believe Jesus. Bon ami, comment tu peux prier et ne pas croire en tes prières? Beloved, how can you pray and at the same time you don't believe in your prayer? Comment tu peux prier et ne pas croire en toi-même? How can you pray and at the same time you don't believe in yourself? C'est pourquoi Israël avait semé 7 ans. That was why Israel sowed for 7 years. Et n'avait pas récolté. Without harvesting. Tu es dans ce jeûne de 100 jours. You are involved in this fasting of 100 days. Le temps de prière. Your hour of prayer, the thunder of prayers. Tu ne crois même pas. You don't even believe. À tout ce qui se passe. To all that is happening here. Où est ta foi? What is your faith? Je vous le dis ce matin. God is telling us this morning. Ne soyons pas des accompagnateurs des autres. Let's not be those that are accompanying others. Soyons acteurs de notre vie. Let us become actors. Soyons les acteurs de notre vie. Let's be actors of our lives. Marthe n'avait pas cru. Martha did not believe. Juste pour le maître arriver au lieu. To the extent that the master came to the spot. Elle n'avait pas cru. She did not still believe. À qui crois-tu, bien-aimé? To whom do you believe, beloved? Tu crois un homme? Do you believe in a man? Tu crois une femme? Do you believe in a woman? Ou tu crois en Dieu? Or you believe in God? À qui crois-tu, bien-aimé? To whom do you believe? In whom do you believe? En ces 100 jours. In these 100 days. Pour le restant de notre nombreux jours sur terre. For the rest of our lives on earth. Crois en Dieu, bien-aimé. Let's believe in God, brethren. Crois en Dieu, bien-aimé. Let's believe in God, beloved. Les hommes et les femmes que Dieu utilise. Men and women that God is using. Who are working for us. Ne sont que des cadeaux. Are just channels. Des instruments. Instruments. Mais crois en Dieu le Père. But let's believe in God. En Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. And God the Holy Spirit. Si nous voulons passer de l'échec. If you want to move from failure to breakthrough, mm-hmm.
Jésus a dit, Jesus said, il appela Lazare. He called forth Lazarus. Lazarus. Sort. Come out. Lazarus. Sort. Come out. Ce matin. This morning. Cette pierre. That stone. Cette pierre. That stone. Qui était sur le tombeau. Which was laid on the grave. Avait été ôté. Of Lazarus was removed. Cette pierre avait été ôté. That grave, that stone was removed from the grave. Et Lazare est sorti. And Lazarus came out. Ce matin. This morning. Dieu nous envoie. God is sending us. Dieu nous mandate. God has mandated us. De ôter toute pierre. To remove every stone. Qui t'a longtemps retenu dans l'échec. God has held you captive in failure. Et de te faire sortir. And to bring you out. Pour que tu rentres dans la percée. May you enter into breakthrough. Dans ta percée financière. Into your financial breakthrough. Dans ta percée professionnelle. In your professional breakthrough. Dans ta percée maritale. In your marital breakthrough. Dans ta percée au niveau des affaires. In your business breakthrough. Dans ta percée au niveau des relations. In your relationship. Tu rentres dans ta percée dans tout le monde. May you enter into breakthrough at all round. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?